mais tu vois rien quoi. Oh l'oiseau. Coup de flip. Putain, ça déboîte. Hein. C'est viril. Donc à ne pas conseiller au mode 2, c'est ça? Coupe, c'est pas pour toi ça. Je vais faire une grosse ressource juste devant nous à pleine balle. Je veux plier l'aile. Benchmark test. Voilà. Patate. Là t'as pas patate. Patate. Ça va vite vite hein. Gentil là. Ouais ça va vite vite mais c'est super fin hein, quand même. T'as vu même à l'altéro ça ouais. Supporte d'être ralenti. Là, je voulais tester le décro. Évidemment. Tirage. Bah ça va hein, ça aurait pu être plus traite que ça hein. Ouais, joli. Wow, elle part en bruit quand même hein. Plus de jus presque là, tu vois. On sent que ça faiblit là. Ouais, alors tu fais pas de jolt top radio à 2 km. Et là, elle est en configuration cruising ou configuration joystick un peu quand même. De quoi la Funjet? Ah non, c'est un gros moteur là quand même. Là, c'est ok. Ah ouais. Ah, elle est 1100 watts. Hein. Ok. Les bases quoi. Après 4S. Les bases. Il y a moyen de faire 5 ou 6S. Les bases. Avec la catapulte, ça le fait. Avec la catapulte, ouais. Ouais bah, moi, faut, mais j'en ai pas, alors faudrait que j'en commande. 2006 5S ou un truc comme ça, ou 6S. Putain, mais après, c'est ingérable, quoi. Comment tu fais pour pas le démembrer le bordel en l'air? Bah, c'est costaud, hein. Ouais, la quille est un peu perdue, mais il fait un palier, tu vois, c'est marrant. Ah, tu vois, j'ai mis un peu plus de piqueur au moteur, il est parfait tout à l'heure, il avait tendance à cabrer dès que j'avais du gaz. C'est vachement bien pensé, hein, parce que tu vois, il y a une vis, tu règles le piqueur. De toute façon, c'est fait pour avoiner, hein. Oui, c'est ça, c'est vraiment fait pour. Par moi, c'est virage tendu à soi. Ça, disons que c'est un truc, je pense qu'il faut pas prendre son temps pour réfléchir. Quand t'as un petit doute. Ça part même pas en riz comme ça. T'entends? Ouais. T'as c'est pour le vol de pente ce truc. Oui, bah voilà. Bon, il faut qu'il y ait 60 nœuds devant, mais. Oh, le pitu, là. Bon, j'ai posé. T'arrives pas. Bon, dans quel sens je le pose? C'est la même que tout à l'heure? Ouais, hein. Ouais. Tranquille. Il n'y a pas de vent là? Non. Il y a encore des watts un peu. Jusqu'à. Et ça, quand t'as le SC qui crame là-dedans, tu dois être dégoûté parce que tu dois, je pense que tu pars pour un moment de marche là. Alors, je vais essayer de vous zoomer l'histoire. Écoute, écoute. Eh, je prends la flotte sur le. Monstrueux.
Allez, break de combat pour péter la vitesse. Et là, on est trop haut. Une bagnole là en plus, non? Ouais. Donc là, ce coup-ci, la route. Ça va, t'es bien, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Et pas dans la portière à papy. Non, tu vas économiser 3000 euros de carrossier, tu pourras te racheter des accus. Putain, mais c'est fou ce que ça allonge, je suis à 1 mètre du sol et il va se poser après nous là. C'est un X8 Playmobil en fait. Oh, c'est beau, c'est beau.